Salut papa. Je sais que je viens juste de reprendre la classe, mais dis-moi, quand est-ce que je pourrais revenir sur le site de fouille? Je m'ennuie ici. On étudie tout ce que j'ai déjà lu l'été dernier. Je passe mon temps à regarder par la fenêtre et à rêver à nos expéditions. Du coup, on me reproche de rêvasser. Je te promets d'être sage et de ne pas te déranger. Je ferai tout ce que tu me diras de faire. Ça me manque, papa. Et tu me manques aussi. Ce livre a toujours été mon préféré dans cette bibliothèque. J'aimais dessiner des hiéroglyphes.
je ne lui fais pas confiance. Blason de la famille Croft. Incroyable. Et dire que cette crypte était là tout ce temps. Bon sang. C'est possible. Papa. Je l'avais bien ramené ici. Ma petite fille adorée, qu'il est dur de t'écrire cette lettre, sachant que pour toi, ce ne seront jamais plus que des mots sur une feuille. Je me demande si tu te souviendras de ma voix. Te souviendras-tu seulement combien nous pouvions rire, ou comme je te réconfortais chaque fois que tu étais triste? Sache que je serai toujours avec toi, Lara. Mon énergie, mon amour. Tu as tout ça en toi. Et jamais ça ne te quittera. Sers-toi de cette énergie pour réaliser tes rêves les plus fous. Ne laisse jamais qui que ce soit choisir à ta place.
C'est à travers nos choix que l'on se définit. À travers l'amour que l'on donne et les promesses que l'on honore. J'espère que tu es heureuse, que tu connais l'amour et que tu t'épanouis dans la voie que tu as choisie, quelle qu'elle soit. Je suis tellement fière de toi, ma petite chérie. Ne m'oublie jamais, avec tout le monde, ta maman. Qu'est-ce que c'est que ça? Une lettre. Lara, j'ai reçu l'attestation notariée qui confirme l'implantation de la tombe d'Amelia au sein du manoir et la découverte de la crypte enfouie. Si je ne comprends toujours pas pourquoi ton père voulait cacher ce qui est arrivé à ta mère, à sa famille, je dois reconnaître que toutes mes requêtes légales sur ce manoir sont désormais nulles et non avenues. Le manoir Croft et tous les biens de ton père te reviennent désormais à perpétuité. Tu peux en disposer comme bon te semble. Si un jour tu as besoin d'aide avec la gestion de la propriété, j'espère que tu n'hésiteras pas à me contacter. Affectueusement, ton oncle. J'étais tellement focalisée sur mon oncle, sur comment m'en défaire et lui ôter les griffes de ce manoir, que je n'ai jamais réalisé à quel point cet endroit est important pour moi. Mais depuis que je suis revenue ici, je ressens la présence de ma mère et de mon père. Je ressens toute l'histoire de ma famille et les racines qui sont les nôtres dans ce manoir. Je veux rendre hommage à mes parents et à tous mes ancêtres. La famille Croft a peut-être été détruite, mais je compte bien redorer son nom et son manoir. Est-ce que ça a ouvert la porte secrète de l'intérieur? J'espère que je suis pas enfermée ici. Thank you.
L'épée brisée que j'ai rapportée du Yamatai. L'Atlas. Un vrai travail d'artiste. Sophia avait insisté pour que je le ramène avec moi. Je me souviens encore de la dernière fois où je m'en suis servi. De retour au manoir, je m'attendais à être saisi par une terrible irrévocabilité lorsque j'ai enterré Amelia. En fait, une fois mes devoirs funéraires accomplis, j'étais convaincu au plus profond de moi que j'allais m'effondrer à ses côtés et succomber non pas au chagrin, mais à l'épuisement qui me rongeait depuis ces dernières semaines. Et au lieu de ça, lorsque la pierre du mausolée se referma, je ressentis une sorte de paix et d'énergie auquel je ne m'attendais absolument pas. Ce n'était pas la fin de notre histoire, et j'ai été idiot de le penser. Son corps est certes parti, mais son esprit demeure ici, dans le manoir, en moi, en Lara. Son âme est à jamais liée à la mienne, et la mort n'est qu'une interruption temporaire. Je quittais ce calme glaçant pour aller vers la lumière du soleil qui me brûla les yeux. Jamais je n'avais été aussi sûr. La mort n'est pas la fin, et il y a encore beaucoup à faire. Rose, mon arrière-grand-mère. On la surnommait Rose Dorée. C'était la perfection incarnée. Je me demande ce qu'elle aurait pensé de moi.
Le parchemin tibétain de papa. Je le revois l'étudier sous toutes ses coutures jusque tard dans la nuit. Ce buste d'Anubis était dans la collection d'objets égyptiens de papa. Il a dû le mettre dans la cave pour notre petite expédition.